This is Sparta! Bonjour mon petit panda. Alors aujourd'hui on se retrouve pour du Mass Effect 2 comme j'ai dit dans mon post hier. Et on se retrouve avec Panda Shepard, Yolo Shepard et puis Doc Shepard. Oui parce que j'aime beaucoup ces fringues, ça fait beaucoup racaille et tout. Donc depuis la dernière fois, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben il y a eu la mission de Tali que j'ai réussi brillamment. Donc du coup elle n'a pas été exilée. J'ai fait mes petites améliorations et j'ai fait mon Galactus, j'ai fait des voyages, j'ai scanné des planètes, j'ai pris tout ce qu'il y avait à prendre. J'ai amélioré mon équipement, le vaisseau, une amélioration de vaisseau vital pour l'histoire. Et tout ça hors vidéo parce que je doute que vous ayez eu envie d'entendre bip bip bip, sonde envoyée, bip bip bip. Sonde envoyée, bip bip bip, sonde envoyée pendant au moins 20 à 30 minutes. Ça aurait été plus que chiant. Donc sur ce, on va y aller. Ah oui, j'avais oublié de... On va prendre le relais cosmétique. On va aider Garus plutôt. Il y a plus d'action dans Garus. Enfin, pas dans Garus, hein, pas dans le personnage, mais dans la mission de Garus. Enfin, vous m'avez compris. La citadelle. Est-ce que j'ai mon hamster? Oui, parce que sur ces devs, vous pouvez acheter un hamster comme je vous l'ai déjà dit précédemment. Est-ce que j'ai mon hamster? Oui, je pense que je l'ai, j'ai dû l'acheter dans les premiers épisodes. Enfin, on va quand même aller vérifier, on sait jamais. Nous ne savons pas, mais peut-être que l'hamster s'est fugué. Telle île royale. Ouais. Bon, enfin, pour une fois, on va prendre Samara. On va la faire sortir. On va la sortir un petit peu. On va prendre Garus. Il a accepté. Garus. On va mettre du rien. Attends. Santé avant tout. Tire percu dans ton cul. Tire percu c'est flou. Yes, surcharge. Hop hop. Ça se fait. Et Samara. La belle et la belle Samara. Fais-moi des choses Samara. Et on est beau quand même, hein, faut pas oublier. Samara, choisir. Vindicator, accepter. Tour, Garus. Manager, Vipère, choisir. Tu vas prendre le Mantis. Accepter. Retour, quitter. Plusieurs mentions d'un faussaire appelé Fade dans les rapports criminels du SSC. Peut-être s'agit-il d'une piste à explorer. En outre, d'après le SSC, Andrel a récemment passé la douane. Le bureau du SSC pourrait en savoir plus. Oh mon dieu! That ass!
Oh. Non, sérieusement. Là, tu te retournes. Mais Samara. Non, je veux pas savoir. Samara. Non, je veux pas savoir. Samara, mais putain, lâche-moi, je sais pas. Je sais que j'ai un joli cul, mais quand même. Oh, Samara. Garus. Ah, tout le monde me fuit. Je sais bien que je suis chez Port Tervem, mais quand même. Laisser embarquer avec ça. Mais c'est un objet. Désolé pour le dérangement, monsieur. Allô? Désolé pour le dérangement, monsieur. Tu te répètes, Aaron. C'est pour ça qu'il tourne. Aaron. Enfin, qu'il tourne en rond. Enfin bref, 5 minutes de vidéo, déjà une blague de cul et une blague merdique. Voilà, qui dit mieux? Mon hamster. Je suis le commandant Shepard, et cette boutique est ma préférée de la citadelle. Oh, j'aime ma voix. Parce que j'aime le poisson. Enfin, j'aime les maquettes. Et j'aime ton décolleté, Samara. Vraiment? Écoutez, il me faut juste quelques épices. Dextro ou sinistro aminé, peu importe. Ok, si tu le dis. Enfin, la chiralité des épices n'est pas un sujet à prendre à la légère. De quelle école de cuisine sortez-vous, monsieur? Mais je n'ai jamais fait des... Vous êtes perpétuellement en mouvement, Shepard. Ouais, je suis perpétuellement en mouvement. Dans ta mère, je suis perpétuellement en mouvement. Oh. Enfin bref, ouais, on va arrêter le bloc de cul. Attends, avec Garus. Non, faut prendre un poisson dans les lacs. Tu veux bien lâcher un peu cette histoire de poiscaille? Vendant expédition. Ouais, je crois que c'est là. En avant, fier taxi. Ah là, t'as une pub que je vous ai toujours pas réussi à faire entendre, on dirait que frappe s'il veut pas. Shepard, vous êtes récemment décédé. Ne méritez-vous pas la qualité et le style d'une robe mortuaire à Sari au pont? Vous avez testé Galaxy of Fantasy? Il est terrible ce jeu. C'est basé sur la mythologie turienne, mais c'est ultra jouissif. Il ouais, paraît c'est qu'il cool. Y a 11 milliards de joueurs maintenant. Dans notre vie à tous, il y a un moment où le temps s'arrête. Un moment où on peut voir le chemin. Vous avez tu dis des joueurs. On vous fait un rabais non. De 2 crédits sur l'achat d'un et toi Monsieur Shepard, un homme aussi beau et viril que vous mérite ce qu'il y a de mieux en matière de technologie biotique. La prochaine fois que vous prendrez du bon temps avec la probatrice Samara, soyez muni de l'accessoire parfait, Sophiste, le nouvel ampli biotique du conseil de Ceris. Puissance, précision, élégance. Plus qu'un amplificateur, l'expression de votre masculinité, Sophiste. Oh oui, donne-moi du plaisir, j'ai enfin réussi à vous la faire écouter. T'as entendu, Samara? On doit prendre du plaisir ensemble, faut que je teste mon nouveau fist. Alliance Corsair, niveau combat c'est vachement réaliste, mais ça reste bien parce fun. Que so good et puis so fist. Oh. Enfin, pfff. Voilà. Fais tes étirements de la tête quand je te donnerai des coups de flingue. Enfin bon. Mais bon, 30 secondes. Putain. Journal. Non, c'est Garus. True Fade. Près du marché ou non. True Fade dans un autre pot situé près du marché. Super, c'est pas du tout ici, je me suis gouré. Tout le monde fait ouais, le problème s'est gouré. Et. Je t'ai déjà frappé, toi. Par votre histoire, Shepard. Non, je t'ai pas encore frappé.
Talissa bin Sinan al-Gilani pour Westerlund News. Mitch. Je vous ai interviewé il y a 2 ans, lorsqu'on vous a nommé Spectre. Votre plaidoyer était plus que convaincant. Vous auriez une minute? Enfin, vous m'avez piégé, espèce de salope. Vous essayez encore de me salir? Allons, Shepard. Vous pouvez contester mes méthodes, mais nous sommes dans le même camp. Vous revoilà sous les projos. Tout ce que je veux, c'est donner à votre histoire tout l'éclairage qu'elle mérite. D'après nos sources, vous étiez en première ligne lors de la bataille de la Citadelle. Il semble que vos décisions ont lourdement pesé sur le cours des événements. Si nos informations sont justes, vous auriez exigé de l'amiral Hackett qu'il abandonne le Destiny Ascension et qu'il sacrifie les 10 000 âmes à son bord, dont l'ancien conseil. Je me suis retenu de pas appuyer et puis de lui en foutre plein la gueule. Peut-être que je mets une patate gauche, une patate droite, elle, tu la fous par terre, tu la savates encore par terre. De connasse, de journaliste, de connasse. Et tu le pisses dessus pour finir. Nous avons ouvert la voie. Eh oui, on a dilaté la voie, on l'a ouvert. Il était temps de trouver notre propre voie. Je suis un stellaire. Je n'avais jamais mis les pieds sur Terre avant de m'enrôler, mais ce jour-là, nous avons fait front commun. Mais les relations interespèces? Nous avons un nouveau conseil, de nouveaux alliés. Nous avons comblé un vide tragique et créé une opportunité. Sauf à prétendre que l'humanité et nos nombreux alliés ne méritent pas cette chance de faire leur preuve. Ne les insultez pas, c'est indigne de vous. Le commandant Shepard, le premier spectre humain, héros de la bataille de la Citadelle. Vérifie les images, c'est dans la boîte? Génial, me fait rembarrer dans ma propre émission. Oh, c'est parce que tu le mérites, biatch. Je suis en forme aujourd'hui, hein. 2 blagues de cul, je la rembarre comme... Je la rembarre posée, allez, tac tac, c'est bon, ta gueule, voilà. Bon... Bordel de merde, où c'est qui... je reviens, 30 secondes. Salutations, être humain. Vous trouverez de nombreux vaisseaux excellents en vente ici. À peine utilisés, parole. Grâce à notre promotion spéciale pour le jour de l'unification, vous pouvez récupérer jusqu'à 2000 crédits. Une affaire en or. Je sais pas pourquoi, mais il me fait pas trop confiance. Même la Citadelle, ce bastion de l'ordre, a ses recoins sombres. Il est généralement préférable de ne pas être trop curieux dans de tels quartiers. Pour ma part, c'est ce genre de lieu que je recherche, car c'est là qu'est perpétrée l'injustice. Je suis le commandant Shepard, et cette boutique est ma préférée de la Citadelle. Voilà. Je suis le commandant Shepard. Je te fais confiance, Michael. Qu'est-ce que tu choisirais, toi? Aucun objet disponible. C'est quoi, ça? On devrait peut-être poser la question au premier venu, non? C'est décidé. Je vais prendre l'immunostimulant. Et un verre. Ça m'a l'air d'être là. Les hommes de main du poster doivent être à l'intérieur. Enfin, une bonjour, bonne nouvelle. C'est pour un échange. Je viens pour le convertisseur d'Omnigel. Bonjour. Raptor Jésus, tout ça. Je n'imaginais pas Fate comme ça. Faut pas se fier aux apparences. Alors, lequel d'entre vous veut disparaître? Je cherche plutôt à faire réapparaître quelqu'un. Mais je ne propose pas ce genre de service. Fais une exception. Pour une fois. Bon sang, vite! Tirez! Tirez, triple idiot!
J'aime bien, tu sais. Mon dieu, t'sais, tirez, tirez. T'as le de Kron qui se rigole. Puis toi, t'arrives. Putain, ce qu'ils sont cons. Allez, parle, déballe ton sac. On recherche quelqu'un, un client à toi. Pas à moi, je ne suis pas Fade. Je travaille pour lui, c'est tout. Je le savais. Alors tu aurais peut-être intérêt à nous dire où le trouver. Oui, bien sûr. Il est dans le quartier industriel. Il se planque dans la vieille fonderie de préfabriqués. Je vois où c'est. Il y a pas mal de mercenaires avec lui. Des soleils bleus. Arkin croit qu'il le protège. Arkin? Vous le connaissez, ce fils de pute? Qui c'est, ça, Arkin? Un ex-collègue du SSC. On a fait équipe. Enfin, plus ou moins. Il s'est fait virer du SSC il y a quelques mois, mais il connaît toujours les rouages du système. Intéressant, mais ça ne change rien. On doit toujours passer par lui pour retrouver Sidonis. Ok, on y va, on lui défonce sa mère avec les mercenaires et on lui demande gentiment. Allons faire une petite visite à Arkin. Il faut qu'on aille à la station de transit. De là, je peux nous conduire à lui. Alors, je peux partir? Oui, mais si on ne trouve pas Arkin, on repasse te voir. Ah, ok. Et on te fera plein de trous partout. Des petits trous, toujours des petits trous. Oh merde, ça comprend pragmatisme. Bah, écoutez, j'ai mis des siècles à me faire rembourser. C'est un convertisseur. Quartier industriel. On y va. Vers l'infini, au-delà. C'est pas le bon film, enfin c'est pas le bon jeu ni le film, mais bon, s'en fout. On va sortir un petit peu la belle Samara. Oui, j'ai un coup de cœur sur Samara. Dommage que ce soit pas vraiment ça, sinon j'aurais. Il m'a fait sa fête. Plantez-la! Arrêtez-les! Arrêtez-les! Cours tant que tu veux, Arkin, on te retrouvera! Contact. J'ai besoin d'un abri! Time stop! Alors, on va buter les deux gardes, on va avancer un petit peu et on va s'arrêter ici. Mais je vais peut-être faire la deuxième partie dans la foulée, donc ne vous inquiétez pas. Aide-moi. Il dit pas mort lui. Alors, on va remettre déjà le tir percu. Percu. Projection. Parce que normalement c'est moi qui envoie les projections, mais bon. On va mettre ça. Munition enflammée. Réchauffer l'atmosphère. Bon, arrête de danser, s'il te plaît. Merci. Non, capteur, tu fermes ta gueule. Bien. Dérivation de puissance.
sauvegarde. Aucune armure ne résiste à ça. Système endommagé. Échappez au système. Meurs. À couvert. Attention. Mange ça. Putain. Vous ne mourrez jamais. Mec, t'es à côté d'une bonbonne explosif. Attention. Enfin, si vous êtes con, hein, c'est votre problème, pas le mien. Et en plein baston, j'ai dévoré un coffre parce qu'il n'y a pas de petit profit. Voilà, parce que je suis le plus fort, je suis le meilleur, je suis tout ce que vous voulez. Et on peut repartir. Ou s'arrêter ici. Ouais. On va s'arrêter ici, sauvegarder. Bon bah voilà les gens, c'était Mass Effect 2 avec le Panda Shepard. Vous inquiétez pas, je laisse ici. Comme j'ai dit, je vais faire la suite tout de suite. Donc on se retrouve, à bientôt et merci, bisous bisous.